Gachini che mi sembra più vicino questa volta. Sceglie una cosa di mezzo all'interno, lo decide di passare all'interno. Ma passare Michael Schumacher, un'azione davvero coraggiosa. Häkkinen va a tagliare il traguardo del Gran Premio del Belgio, vince davanti a Michael Schumacher. Août 2000, ce soir, la défaite de Spa-Francorchamps a un goût amer. C'est le troisième revers consécutif de Michael Schumacher et de sa Ferrari. Le pilote allemand rétrograde à la deuxième place au championnat du monde des pilotes. Jean Todt, dans son bureau de Maranello au siège de l'écurie, analyse la défaite. Jean Todt, c'est le magicien de Ferrari. Ancien coureur automobile, plusieurs fois champion du monde des rallyes comme directeur de Peugeot Talbot Sport, Ferrari l'a fait venir pour gagner. Si je dois être pragmatique, c'est la McLaren qui est trop rapide. Cela étant, là aussi, on est dans un monde où on conclut trop vite les choses. On fait une course, en tout cas Michael avec la Ferrari fait une course superbe. Et Michael termine à une seconde et d'un seul coup, Häkkinen, qui il y a deux mois ne valait plus rien, devient le héros des temps modernes. Et Schumacher et Ferrari sont bons à mettre à la poubelle. Donc je crois qu'il faut, être plus nuancé, mais enfin on est dans un monde où il y a relativement peu de nuances actuellement. Minuit. Les trois camions Ferrari sont les derniers à quitter le circuit. Direction l'Italie. Les voitures rentrent à l'écurie. Il reste 15 jours avant le prochain Grand Prix, celui de Monza. La Scuderia ne peut plus perdre. Une nouvelle défaite permettrait à McLaren de prendre le large. Les tifosi supporteraient mal un échec à domicile. Heures du matin dans le nord de l'Italie, à Maranello, le berceau de la Ferrari. 16 000 habitants, dont Nello, le cafetier. À l'heure du petit noir, il a encore la gueule de bois. Toujours pas de résultats, les gens ne sont pas contents. Ça fait 21 ans qu'on attend d'être champion du monde. Si on ne gagne pas cette fois-ci, on va passer le balai, faire le ménage chez Ferrari. Du premier mécano aux ingénieurs. Dehors, tous. Et lui, le premier. On l'estime, Jean Todt, mais si on ne gagne pas alors qu'on avait 30 points d'avance aux 8 premières courses, c'est qu'il n'a pas rempli son contrat. Mon petit-fils, on a un dicton à Maranello. On ne devient pas ferrariste, on est ferrariste, depuis tout petit. C'est le grand Enzo, notre père à tous, nous les ferraristes. Dans mon bureau, il y a sa photo, ça me paraît quelque chose de... qui lui est dû. Dans la salle de réunion, et il y a sa photo, c'est le fondateur. Qu'est-ce qui peut être plus beau que d'être patron de la Scuderia Ferrari? Si on m'avait dit il y a quelques années, il y a 10 ans, il y a 15 ans, un jour on te demandera, je ne l'aurais pas cru, ça m'aurait paru irréel. Ensuite, finalement, on s'habitue un petit peu à tout. Donc, le jour où j'ai été contacté, c'est vrai que c'était motivant. Mais ensuite, quand on arrive, quand on fait un bilan d'une situation, ben, on dit que ça va être difficile. Donc, je savais que ça allait être très difficile, même si je ne pensais pas que ça serait aussi difficile. Même si le challenge, il est sûrement plus motivant. Je ne pense pas que, dans le sport automobile, il y ait un défi plus beau à relever que celui que nous relevons quelques-uns chez Ferrari. Il y a un mythe, une légende, mais on essaie de ne pas y penser.
À Maranello, on croise le dernier modèle Ferrari, la Modena 360, à tous les coins de rue. Maranello, c'est le cœur de Ferrari. L'usine Ferrari emploie 2600 personnes, un tiers de la population active du village. Sans compter le musée Ferrari, les boutiques Ferrari. Le mythe draine 120 000 touristes à l'année. Ici, on est obligé de devenir ferrariste, comme Don Alberto. C'est la carte de membre du club Ferrari. Comme curé de campagne, je suis très proche de mes ouailles. Et comme ici, ils sont tous ferraristes, alors je ne pouvais pas faire autrement. Qu'est-ce que vous faites quand Ferrari gagne ? Quand je suis arrivé, la tradition était de sonner les cloches. Alors je sonne les cloches pour les victoires. En fait, la Ferrari est née sur cette place. Le commendator Enzo Ferrari venait à la sortie de la messe pour recruter les jeunes. Il leur disait « Vous voulez devenir mécanicien ?» Et les jeunes répondaient « Mais on est des paysans ?» Enzo insistait « Venez quand même !» Depuis Enzo Ferrari, en ville, les conversations tournent toutes autour d'un seul et même sujet, la course. Et tout le monde a un avis sur la question. Pendant ce temps, les mécaniciens traversent l'Europe, le seul moment de détente entre deux grands prix. Pendant la course, on ressent beaucoup de stress. On espère que tout va bien se passer, si on s'est bien préparé. On pense à plein de choses au même moment. Andrea, lui, s'occupe du ravitaillement et moi, je soulève la voiture à l'avant. Il faut bien faire et vite. Oui, il faut vraiment que tout se passe bien. En fait, oui, on vit la course avec beaucoup d'appréhension. Moi, je m'occupe du ravitaillement de Michael. La durée dépend de la quantité d'essence que l'on met dans les voitures. 6, 7, 8 secondes. On peut le faire en moins de temps, 2, 3 secondes. Pour le camion, je mets 5 minutes. À chaque étape, les mécaniciens doivent toujours répondre à la même demande, comme celle de ce pompiste. Je voulais voir les voitures éventuellement, si c'est possible. Il y a moyen de les voir, les voitures? Italiano? Si. Milar? Formula? No? Fermato? Chiuso. Regardez. Et c'est quoi ça? Vous voyez pas? C'est l'émotion. Et pourtant, ce pompiste ne verra rien. Pour voir les voitures rouges, il faut un peu plus d'autorité. Corrente, il contrôle de la gendarmerie. Non posso rispondere. Curiosidad o è più per curiosità? Sì, è più per curiosità, sì. Thank you.
l'Italie et enfin la barrière rouge. Derrière cette frontière, personne ne rentre. Dans l'univers de la Formule 1, cette usine est classée secret défense. L'homme à la chemise blanche, c'est Nigel Stepney, l'ingénieur mécanicien en chef. Ses constatations sont essentielles. Les voitures vont être complètement démontées. Il a quelques minutes pour relever des indices et peut-être comprendre un peu mieux la défaite. Pour moi, c'est le cœur de l'écurie puisque c'est le département que je dirige. C'est ici que sont réunies toutes les voitures. Tous les composants arrivent des autres départements et nous faisons le montage final. C'est beaucoup plus secret maintenant que cela ne l'était avant. C'est à cause de tout l'argent que nous avons dépensé dans la recherche et le développement. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour maintenir notre technologie secrète. Mais c'est très dur, les problèmes de sécurité. On essaye d'être le plus hermétique possible pour ne pas donner l'avantage à une autre équipe. Oui, c'est terrible. Je pense que c'est quelque chose que je n'arrive pas... à comprendre, qui me rend très malheureux. Et là aussi, je sais que ce sera un de mes échecs chez Ferrari. C'est de ne pas être arrivé à éviter les fuites d'informations. Ça se manifeste comment, quand? Ça se manifeste comment? C'est que des informations sortent de chez nous. Franchement, si je pouvais savoir comment ça sort, par qui ça sort, ça ne sortirait plus. Il y en a plusieurs. Pratiquement pas beaucoup de choses, mais disons que ce que nous montrons le moins, c'est sûrement la soufflerie. Les bureaux d'études, c'est sûrement bon, le Saint-Dessin, c'est bureau d'études, personne n'y va. En dehors des gens qui sont habilités à y rentrer, qui y travaillent. Il y a des endroits où vous ne rentrez pas? Non. Impossible donc de filmer la soufflerie et le bureau d'études. Ferrari Club, bureau sponsor, bureau des achats, administration... Pour la première fois, Jean Todt accepte quand même d'entrouvrir quelques portes. Il y a les bancs moteurs, il y en a 8, on ne rentre pas trop, voilà. Donc on va vers l'atelier de montage des Formule 1. Ça c'est une coque de la voiture de Schumacher. Et donc, chaque emplacement accueille une voiture avec une équipe. Donc là, en fait, il y a les 4 voitures pour Monza qui sont en cours de montage. On joue à cache-cache, là. Hein. On va faire un petit passage au montage des boîtes de vitesse. Bien recouvert, confidentialité, montage moteur. Donc chaque équipe un petit emplacement de montage, c'est quelque chose qui est fait d'une manière extrêmement minutieuse. C'est un peu comme dans une clinique. C'est un petit peu une guerre industrielle. Donc, il y a une recherche de confidentialité totale. Et là, on arrive dans la cour de la gestion sportive. Alors, il y a 7 drapeaux ici. Il y en a un, c'est le drapeau italien. Et les 6 drapeaux jaunes avec le Cavallino Ferrari, ça correspond à une victoire dans la saison. Comme je disais pour les coupes, j'espère qu'on... pour en mettre encore quelques-uns avant la fin de la saison. Un espoir sur lequel Jean Todt va essayer de s'endormir. Il est 23h, Jean Todt quitte la Scuderia. Depuis qu'il tient les rênes de Ferrari, la marque s'est approchée très près du titre de champion du monde des pilotes, sans jamais l'obtenir.
il a dû se contenter du championnat du monde des constructeurs en 1999. Circuit de Fiorano, la piste d'essai de Ferrari. Ces tifosi qui posent devant la porte sont venus exprès du Brésil pour soutenir leur compatriote Rubens Barrichello, le deuxième pilote Ferrari. Mais lui n'est pas venu pour eux. Il est venu pour honorer une clause de son contrat qui l'oblige à offrir un tour de piste aux invités des sponsors. Des hommes d'affaires qui s'offrent un coup de frime et un coup d'adrénaline. L'écurie Ferrari est une entreprise aux rentrées juteuses. Sponsoring, droits de télévision et merchandising. Le budget annuel de cette écurie est invérifiable, comme celui de toutes les écuries. Il dépasserait, dit-on, le milliard de francs. Le budget Ferrari, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est 70% de recettes et 30%, les 30% restantes, c'est pris sur le bénéfice des voitures de grand tourisme que nous vendons, sachant que Ferrari ne paie pas de publicité, donc c'est notre manière à nous de faire de la publicité. Et en valeur absolue et non pas en valeur relative ? C'est un budget important, mais vous aviez raison, je ne le dirai pas. Il est en augmentation de combien ces trois dernières années après ? Depuis trois ans, il ne bouge pas pratiquement. Vous êtes économe ou il n'y a pas les moyens ? Non, je crois, attention, il ne faut surtout pas me faire dire que si on avait un plus gros budget, on gagnerait plus facilement, c'est pas vrai. Si on ne gagne pas, c'est parce qu'on n'est pas assez bon pour gagner. Mais on a un budget qui nous permet de gagner. C'est le plus gros budget de la F1 ? Je pense pas, je pense que c'est un mythe, un mauvais mythe. Mais, vous savez, on compare ce qu'on veut comparer. Donc, si on compare le budget de Ferrari dans son ensemble par rapport au budget de n'importe quelle autre équipe, sans tenir compte du moteur, peut-être qu'on a le plus gros budget. Mais quand vous prenez le budget de nos concurrents, plus le budget du motoriste qui les équipe et ce qu'il apporte en plus, je suis sûr qu'il y a un certain nombre d'équipes, pas beaucoup, mais au moins une, deux, une c'est sûr, deux peut-être, voire trois, qui ont des budgets plus gros que le mien, que le nôtre. La demeure italienne de Jean Todt, à quelques kilomètres de l'usine. C'est ici que le directeur de la gestion sportive profite de son unique jour de repos avant le Grand Prix d'Italie. Ha già deciso di fare automobili, sembrano anche tante, un esercito, sia in grado di dare a tutti questi piloti la possibilità di giocare sul titolo del mondo, che sarà ancora più interessante per tutti noi. Ça dépend du résultat. Dimanche prochain, dimanche matin, non. Jusqu'à la fin de la course, non plus. Et puis ensuite, si on a gagné, je serai tranquille jusqu'à lundi matin. Sinon, je serai pas tranquille. Mon rêve depuis ma plus tendre adolescence, c'était d'être un grand pilote de Formule 1. Mon idole, j'ai pas eu beaucoup d'idoles, c'était Jim Clark. Puis finalement, les choses, elles se passent pas comme on pense qu'elles vont se passer. Et donc, j'ai eu une carrière totalement différente, mais néanmoins, depuis l'âge de 20 ans, qui a été consacrée exclusivement à l'automobile, avec une priorité à l'automobile, donc une priorité à mon métier par rapport à ma vie à moi. En fait, j'ai fait abstraction de pratiquement toute ma vie privée par rapport à mon métier, parce que je considère qu'on n'a pas le choix. Autour du circuit, les curieux viennent de toute l'Europe. Eh ben c'est chaud, hein. Ils vont courir, là, tantôt, là. Je sais pas. Hein ? Je sais pas. Ferrari ? Guter Wagen ? We look for Michael Schumacher. Yeah? Now we hope we see him. No? How long we must wait? Aujourd'hui, c'est le collaudo. Les voitures sont amenées sur le circuit pour être vérifiées une dernière fois avant de partir pour le Grand Prix. Une tradition qui remonte à l'époque d'Enzo Ferrari. La voiture passe religieusement devant la maison du père fondateur.
C'est Luca Badoer, 29 ans, troisième pilote de l'écurie Ferrari qui procède aux essais. Jean Todt et ses ingénieurs ne veulent négliger aucun détail. On fait 2-3 tours d'essai, en principe avec le pilote essayeur, Luca Badoer, sur notre piste à Furano, pour faire un contrôle avant de les envoyer sur le Grand Prix qui suit. Et Ferrari est la seule équipe à faire ce genre de choses ? C'est la seule équipe à avoir un circuit à côté de l'usine, ou en tout cas à disposition. Dernière vérification avant les essais libres du Grand Prix. Luca Badoer donne ses ultimes impressions sur les réactions de la voiture pour permettre aux techniciens d'affiner les réglages. Gli altri vanno a fare i pit stop. C'est aussi l'occasion pour l'équipe de travailler encore et encore les gestes qu'ils doivent accomplir en course au dixième de seconde. Dans 4 jours, c'est Monza. Dai Ivano, vai alla guida del furgone, dai. Devo ancora montare su una cosa. Io buono, ma chi sono le sapere? Quelles sont vos prédictions pour Monza? J'espère être dans les deux premiers. Sincèrement, notre but est de finir devant la McLaren. Donc vous êtes inquiet? Non, inquiet, non. On a fait de notre mieux. Lorsque je suis arrivé ici, que je me suis dit, j'arrive sur un siège éjectable. Je me suis dit, j'espère que je tiendrai au moins un an et demi. J'ai dépassé les 7 ans, donc c'est presque un sujet de fierté, de satisfaction personnelle. Depuis que je suis là, on a gagné 28 courses. Mais j'avoue que la chose professionnellement à laquelle je rêve, si on peut appeler ça un rêve, c'est d'être champion du monde. Donc voilà, c'est la chose à laquelle je rêve le plus. Ce jour-là, les camions ont pris le chemin de la victoire. Michael Schumacher a remporté le Grand Prix d'Italie, une étape décisive dans la course au titre de champion du monde. Ferrari et McLaren sont au coude à coude. Il reste 3 Grands Prix avant la fin de la saison.